Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crispations. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. J'ai été faire un petit tour à Action, donc un petit haul. Et je suis contente, j'ai trouvé les blocs de stickers que tout le monde met là en train de voir sur internet. Je suis super contente. Donc, je vous montre en vitesse. Voilà, c'est des petits stickers. Hein. Voilà, les livres mesurent 20 cm sur 15. Je crois que c'était plus gros. Voilà, là, c'est le vintage. Voilà, il y a des personnages, il y a des lettres, des fleurs, il y a des mots. Bon, c'est en anglais. Là aussi, des livres. Voilà, il y a plein de stickers. Alors là, il y aura de quoi faire. Voilà, cuisine, vintage, des oiseaux. Il y a des transparents. Alors, je crois que c'est ceux-là. Je sais pas, non. Des fleurs. Il y a plein. Désolé, je vous montre. Il y a des mots, mais pas français. Ah, dommage. Pourquoi c'est pas français? Il y a des timbres, il y a des beaux trucs, des plumes, jardinage, le zen. Il y en a des tout petits, hein, mais bon, faire des attestants pour autre chose. Ça peut être bien, même pour les cartes d'oracle, les clés. Voilà. La cheminée, les cadres. Voilà, ça c'est les stickers transparents ici. Des mots. Voilà. Des fleurs. Encore des cadres. Voilà, super. Encore des fleurs. Encore des mots. Voilà, il y a 50 pages dans chacun. Hein, donc c'est super. Là c'est les fêtes, les anniversaires, je crois. Voilà. Voilà, il y a Noël aussi. Ah, désolé, j'essaie de me mettre bien face à la caméra. Voilà, j'ai pas tout le reste. Désolé. Voilà. Donc, les cadeaux. Ça, c'est pas chouette. Ça, c'est beau. Voilà. Ah, c'est super. Il y a vraiment de tout l'automne. Mexique. L'hiver. Je sais pas trop. L'école. Hein, éducation, il faudrait que j'en fasse éducation, tiens. Il faudrait que je fasse une carte d'éducation, donc ça va venir. Voilà. Vraiment, bon, celui-là, il est un peu moins bien. Bon, si, il y a des belles choses quand même. Bon, il y a des petits trucs, hein. Bon, après, c'est vrai que c'est plus pour les comment. Voilà, celui-là, c'est en anglais. Les bébés, tiens, en rose et en bleu. Pâques. Voilà, tout ce qui est vert, c'est violet. Halloween. Super. Les mariés. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a les mots transparents. C'est de moi chez en anglais. Les cadres. Les nounous. Ah, c'est super, franchement, je suis contente de les avoir trouvés. J'ai vraiment un coup de chance. Là, c'est les animaux, alors, c'est super, hein, les petits pandas. Voilà, bon, je vais pas tout montrer parce que vous les avez sûrement vus. C'est super chouette, les petits animaux, la mer, encore la mer, des animaux. Voilà, c'est tout des animaux, quoi. C'est super, hein. Vraiment, il y a de tout. Je passe vite fait. Hein. Les oiseaux, oh, ça j'adore. Voilà, ça aussi c'est mignon. Voilà. Des papillons, des animaux de la forêt, et des transparents. Voilà. Super, moi, je suis vraiment contente.
Donc, ils sont à 1,99€. En plus, c'est pas très cher. J'ai trouvé aussi ceux-là. Ouais, moi, j'ai tout. Voilà. J'ai trouvé les nouveautés, les die-cut, là. Il y a une petite planche avec de la mousse pour les coller. Donc, il y a tout ça. Voilà. Donc, là, c'est le bleu. C'est des petits animaux. Plein de petites choses comme ça. J'ai le rose. C'est des animaux aussi, avec des fleurs, des feuilles, un oiseau, enfin, il y a plein de choses. J'ai le mauve, voilà, avec, oh, ils sont beaux aussi, des lettres, des valises, des tasses remplies de fleurs, c'est magnifique. Voilà. Et j'ai pris le vert, il y en a un que j'ai pas pris parce que ça faisait trop enfantin, j'aime pas trop. Et là, c'est aussi des animaux trop mignons, avec des fleurs, voilà, des animaux de la jungle. Donc voilà, j'ai pris ces 4 là, j'en ai vu 5, hein, j'ai vu 5 paquets, et ceux-là me plaisent vraiment bien, quoi. Voilà, le gros, ça, j'ai pris un produit pour ma cuisine, parce qu'on m'a dit qu'il était bon, il était bien pour la graisse, donc je vais l'essayer, parce que j'en avais plus. J'ai pris aussi une serviette pour la cuisine parce que mon mari il me prend tous mes serviettes et pour les mains et puis j'en ai plus parce qu'elles sont foutues. Voilà. J'ai pris les pochettes. Alors j'ai pris un classeur mauve, bien sûr, mauve. Tout simple avec deux trucs là. Ça, il n'y a pas besoin. Et ce que j'ai envie de faire dans ces pochettes là qui sont pas chères, je vais les ouvrir. Je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux dedans. Il y en a deux. Eh bien, on peut ranger ici et ici. Et ben, je vais faire des trous et je vais les mettre là, mes pochettes. Et dans chaque pochette, je pourrais ranger mes tampons. Voilà. Et donc, j'ai pris plusieurs. Voilà, j'en ai pris 4 paquets. Ça me fait 8 pochettes. 8 pochettes que je pourrais mettre ici et puis je mets mes tampons dedans pour les ranger. Et je me suis dit, tiens, c'est pas con, c'est pas trop cher les pochettes comme ça. C'est fermé, bon, à part ici, mais c'est pas grave, peut-être ça doit tenir hein, parce que c'est du plastique. Et je vais faire 2 trous et je vais ranger mes tampons ici. Je en mettrai plusieurs dedans parce que ça peut être épais. Donc je vais mettre mes pochettes de mes tampons là qui se baladent partout et je vais pouvoir faire du rangement avec toutes mes pochettes. Donc je vous montrerai ça hein, et puis je vais voir si ça va avec des, voilà, faire des trous bien droits et puis je vous montrerai ça. Voilà, donc le classeur hein, c'est pas cher, il est à 1,49€, voilà, 2 anneaux. Et les ports-documents, donc 76 centimes, les 2 pochettes, 76 centimes. Alors pour ranger, on va voir hein, ce que ça donnera, hein, pour ranger mes tampons, ouais j'avais fait une boîte tout ça, mais il faudrait que j'en refasse, et puis j'ai la flemme de refaire une boîte, et je me suis dit, mais pourquoi pas ça, c'est pas très cher ces pochettes, autant profiter, puis je vais faire juste 2 trous ici. Et puis, là, mes tampons seront tous protégés. Donc, je vais faire ça. Voilà. À plus tard. Un gros bisous. Merci.